Bonjour à tous. Hop. Alors Astérix et Obélix sur SNES, il est sorti sur différentes plateformes. On va le jouer en facile parce que globalement la run est plus courte et en medium rare ça n'a aucun intérêt. Et on va jouer Astérix parce que Obélix a malheureusement une inbox beaucoup trop grande et qu'on... c'est terrible. Je vais lancer, vas-y. Enfin, quand tu fais le timer, fais. Let's go. Alors Astérix et Obélix, globalement, c'est un jeu où on va parcourir tout l'univers, un petit peu, enfin des BD Astérix, 5 univers différents en tout. Et le but donc ça va être en fait de montrer à César qu'on est vraiment très bien, qu'on est vraiment un très bon soldat. Donc là normalement on est censé passer par-dessus tous les ennemis, donc ça commence pas très bien mais bon on va réussir, c'est pas un souci. Et donc on court tout simplement, donc en gros on a tout le temps deux boutons appuyés. C'est le bouton pour courir et le bouton pour aller à droite parce qu'on va globalement tout le temps à droite. Voilà. Donc là c'était le début, on va partir chez Astérix et chez les Bretons. Donc on va aller en Britannie, comme ils disent. Et on va aller sauver les rugbyman, si vous vous rappelez la BD un petit peu. Tout ça pour gagner un match de rugby, donc à travers 4 tableaux différents. Tout simplement. Donc les patterns des boulets ici on les connaît, c'est pas un souci. Donc là par exemple si on joue Obélix, globalement on se prend tous les boulets. Parce que il a une box beaucoup trop grande et du coup c'est trop compliqué. c'est juste terrible. Après on a énormément de vie dans les prochains niveaux donc il n'y a vraiment pas de souci. Alors toute la run va globalement se baser sur un seul truc, c'est des damage boost. Si on est à droite de l'ennemi, on tombe à droite. Si on est à gauche, on tombe à gauche. Et le but, ça va être de faire des damage boost sur la droite, comme ça on gagne un petit peu de temps. Et on peut passer certains ennemis derrière avec les freins d'invirabilité. On récupère des servoises, ça nous servoises, ça nous donne un petit peu d'énergie et de vie. Alors pourquoi on saute par-dessus les ennemis et on les tape pas? Tout simplement parce que la hitbox sur ce jeu est assez nulle en fait. Le jeu était assez mal configuré à ce niveau-là, les hitbox ne sont pas du tout représentatives des personnages qu'il y a dessus. Donc bon, il faut savoir que Astérix tire par exemple beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps que son point ne reste affiché à l'écran. Et que les soldats ont un temps de réactivité un petit peu bizarre mais... si ils peuvent tirer d'assez loin. On va aussi éviter de récupérer des pièces parce qu'une pièce c'est une frame au décompte à chaque fois et donc 60 pièces en moins ça fait une seconde de gagner à la fin. Donc voilà, si vous avez joué à ce jeu c'est vraiment le premier niveau où il y a un pic de difficulté majeur. Parce que vraiment les sauts sont très très tricky et bon, ça fait un peu bizarre quand on y joue, particulièrement à deux joueurs. Alors là il y a un petit damage boost à réussir. Ah c'est raté, tant pis. Petit damage boost de 0,5 secondes. De toute façon pratiquement tout ce qui va être gagné dans ce jeu c'est de l'ordre de 0,5 secondes ou d'une seconde. Globalement il n'y a pas plus. C'est vraiment quelque chose de constant dans la run. Il y a deux passages où il y a 40 secondes si on fail de perdu. Mais sinon ça se joue avec des opti de quelques secondes. Voilà. Donc le run est par contre très reposant. Je vous avoue que voilà. Vous n'allez pas forcément être enjaillé de ouf, mais par contre c'est très reposant. C'est assez joli. La musique est vraiment bien je trouve. Et on parcourt un petit peu l'univers d'Astérix comme ça sur différents passages. Et c'est plutôt sympa. Voilà, par exemple ce niveau, normalement on rencontre pas mal de gardes, vous voyez, enfin de gardes. Je sais pas comment appeler ça, des méchants. Mais on arrive derrière, on arrive à pop derrière, du coup on est bien. Et on est full life, c'est ce qu'on veut à la fin. Globalement on n'aura pas trop de problèmes à être full life. Il faudrait être live jusqu'au 15ème tableau, ça serait bien. Et après on pourra faire des damage boosts plutôt utiles.
pour arriver à la fin avec très peu de vie. Et donc on arrive à Londres. Ah non, ça c'est pas censé arriver ça. Tant pis. Normalement on saute par-dessus le tonneau. Hein. Chose qui arrive, c'est pas très grave, on a de la vie juste après. Voilà, la vie elle est là. Ici, il y a quelques pixels pour y arriver. Là pour le coup ça a marché, c'était bien. Alors voilà. Ici par contre, on peut pas l'éviter. Lui, il n'y a aucun pattern où on peut l'éviter. Et l'autre aussi, juste après, on peut pas l'éviter non plus. Donc voilà. On peut pas sauter plus haut. C'est le seul petit personnage comme ça qu'on peut pas sauter par-dessus. Et on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, on peut pas. Donc bon. On n'a pas trouvé pourquoi. Quelques damage boost. Et alors ici, il faut libérer tous les rugbyman. Donc ce qu'on fait, c'est un peu le trick le plus dur du jeu. Bon, c'est pour dire la difficulté du jeu, mais en gros on appuie sur le bouton de saut, le bouton de point et le bouton de vitesse en même temps pour pouvoir charger le point pendant qu'on saute. Donc bon, il n'y a pas de très gros trick dans ce jeu, il y a un seul petit glitch qu'on a trouvé dans ce jeu. Et là la RNG, oh la RNG de marathon, super, nice. Donc si on avait la première porte, on aurait gagné du temps, là on a eu la dernière porte, on a perdu 2-3 secondes. Bon. Tant pis, c'est pas grave. Ici, il faut marquer un essai et une transformation. Sauf qu'il y a des gens qui nous arrivent sur la gueule très très rapidement. Soit ils sautent, soit ils sautent pas. Et nous, il faut qu'on sache s'ils sautent ou s'ils sautent pas. Malheureusement, j'ai pas de réflexe surhumain. Et du coup, bah, nous, ce qu'on fait, c'est faire une passe et sauter. Parce qu'honnêtement, savoir ce qui se passe, c'est juste impossible à l'avance. On a essayé et honnêtement, c'est juste complètement inhumain de faire ça. Là il a pas sauté, tant pis. Pareil, 0,5 petites secondes qui s'envolent. Ah, c'est après qu'il faut... c'est presque après qu'il faut applaudir parce que si je réussis pas, là je perds 40 secondes. Donc là c'est un peu le mot en stress. Allez. Ah non. Ah, ben voilà. La déception. Non mais ça c'était obligé ça. Ça pouvait pas se passer correctement ça. Donc en gros on a marqué 3 points pour un essai mais ils en ont 4 et du coup si on marquait la pénalité c'était fini. Et... bon voilà. Tant pis. Bon voilà, bon ça va se faire. Elle a jamais voulu sauter le dernier. Bon bah tant pis. Il veut pas sauter. Là c'est fini. Ouais. Le premier tableau il est fini. Cette fois-ci on a marqué 6 points. On les a battus, bravo. Et on récupère le ballon d'or. Ou l'œuf d'or, enfin voilà. En gros avec c'est un coup à jouer. Le ballon d'or. Et donc là on va partir chez les Helvètes, donc en Suisse. Alors je sais pas ce qui se passe dans la BD des Suisses. Bon, on va dans une banque, c'est-à-dire que bon, le cliché est présent. Et voilà, on va parcourir les montagnes suisses, on va parcourir les plaines suisses. On va découvrir que la Suisse, elles ont des mers violettes. Bon. Ouais, c'est assez bizarre comme histoire, mais bon. Tant que c'est joli, on dit rien. J'ai oublié de préciser que ce jeu a été fait par Infogrames, pour ceux qui connaissent un petit peu le délire d'Infogrames. C'est typiquement d'avoir le délire de faire un jeu qui est à peu près beau mais qui est assez difficilement jouable quoi. Quand je vous parlais de la mer violette, voilà, c'est ça.
là voilà, on est dans les champs de blé j'imagine, suisse. Je savais pas qu'ils avaient une spécialité autour du blé. Ah bon? Bah peut-être alors. Enfin j'imagine que c'est du blé, après c'est peut-être une autre céréale hein, mais... Ça je m'aventurerai pas là-dessus. Voilà, re une phase en bateau. Une phase en bateau tranquillement. Voilà, les poissons ils aiment bien. On va les défoncer parce que j'ai envie de défoncer du poisson. Voilà. Ça sert à rien évidemment mais. Voilà. Deux petits damage boost ici. Dont un raté, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et on est full vie juste avant la montagne. Et alors la montagne. La montagne. Est-ce que je tente le skip de frame perfect? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Vous voulez reperdre 40 secondes, c'est bien. Ok. Donc à la fin, il y a un skip qui est. À la fin de la montagne ici, il y a un skip qui est. Il faut. Ça fait gagner quoi? Une seconde à tout casser? Et. C'est important. Hop là, bon ça par contre c'est pas fait exprès. Et ça fait. Ça peut faire perdre 40 secondes si c'est raté, si on le fait pas assez tôt. Et en gros il s'agit de sauter pratiquement à la dernière frame possible de la montagne. Là ici de ces sauts là. Donc pour le dernier, c'est-à-dire le prochain. Pour arriver directement sur la plateforme. Oh là là, popopo. Wouhou. Ça c'est passé ça, easy. Donc là on arrive dans la banque parce qu'il y a quelqu'un qu'on doit sauver qui est enfermé dans un coffre. Et évidemment le jeu il veut qu'on ouvre tous les coffres pour pouvoir délivrer la personne. C'est à dire que c'est pas RNG du tout, c'est genre il faut ouvrir tous les coffres avant pour pouvoir faire ça correctement. Aïe, ça c'est dommage ça. On se fait attaquer par des petits. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des balanciers là. Très très relou. Et on va essayer de perdre le moins de vie possible. Ça commence pas très très bien dans l'histoire, donc c'est pas grave. Parce que là, ça commence à être la partie un petit peu tricky de l'histoire. Hop là. Et donc là ici c'est le fromage par contre. Bon ça c'est logique en Suisse que l'énergie ce soit le fromage. Je l'ai pas souligné mais ça paraît assez logique. Wow, dommage ça. Ça c'est pas prévu par contre, c'est dommage. Normalement je suis pas censé casser les blocs. Et voilà on a libéré. Ouais. Donc là on a fait 2 sur 5 et on va partir en Grèce. En Grèce il y a les Jeux Olympiques. Le moment de la run que tout le monde attend. Alors là pareil, il y a un saut, je sais pas combien de frames pour le faire, pas énorme. Bon par contre ça fait gagner que 4 secondes, ça va c'est pas non plus exceptionnel. Mais qui est super dur à faire. Non mais je le tente, hein, y a pas de soucis mais... Mais... Oh là là, mais pff, incroyable. Voilà, bon, je crois qu'après il n'y a plus de trick, c'est terminé. Pour le coup, alors pas record du monde, mais... Non, record du monde, c'est pas moi qui l'ai malheureusement. On se l'est beaucoup échangé avec un autre Allemand et... Et il a tenu à le reprendre, mais je le reprendrai un jour.
Astérix doit appartenir à la Gaule. Ça non plus, c'est pas prévu. Tant pis. Je vais pas crier au Never Happened Before parce que quand même, bon, je vais tomber dans le bingo après. Hein. Donc voilà, il faut éviter les soldats qui font leur entraînement. Un petit damage boost ici. Et on va récupérer le plus de vie possible avant d'arriver à l'Egypte, ce qui est vraiment le niveau le plus dur. De ce jeu. Donc là en gros on se dirige vers Olympie tout simplement. On va arriver à Olympe, je sais plus. La ville c'est Olympie, non? Et le dieu c'est Olympe, ouais, donc la ville c'est l'Olympie. Pour l'instant, la run est plutôt correcte, mis à part ce petit temps perdu au rubis. Mais sinon, il y a pratiquement tous les trucs qui sont passés. Il y a 2-3 damage boost qui sont pas passés, mais c'est des 1 seconde quoi. Donc voilà. Et donc, l'avantage de la série, c'est qu'il y a plusieurs plans. Et si vous n'êtes pas sur le même plan que le personnage en face de vous, bah, vous passez. Peu importe si vous êtes en plein dessus, on s'en fiche. Et alors là, c'est le mashing, voilà, c'est le monde du mashing. Qui veut masher à ma place? On va faire 3 courses à pied, 3 courses de haies et 3 lancers de javelot. Le but c'est de terminer premier. De quoi? Non, si vous avez des idées, je sais pas, laisser de l'avance, j'en sais rien, des trucs comme ça. Honnêtement, c'est. En fait, il n'y a rien qui change. La RNG des autres là, concurrents, ben, en fait, j'y peux rien. Donc, soit ils font 29 secondes et je perds du temps, soit ils font 26 secondes 5 et c'est cool. Mais bon, voilà. Et donc, moi, ben, je mâche comme un truc. Voilà. Ouais. Il y en a 9 comme ça, donc faut vous préserver. Savoir qu'en plus les secondes décomptées dans le jeu, bon voilà 28 secondes 5 déjà c'est dégueulasse. Et les secondes décomptées dans le jeu sont pas les mêmes que les secondes décomptées sur le timer normalement. Donc voilà. Ça c'est un petit peu bizarre. Voilà. Oh là là mon dieu, oh non 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 non. Allez, allez, allez. Allez. Voilà. Ah, faut savoir que bon, easy évidemment c'est. Faut savoir quand easy évidemment c'est facile, hein. Mais bon. Logique, mais en hard faut pas. Voilà, en hard il faut vraiment mâcher parce que sinon c'est. C'est vraiment dur pour le coup. Ils font plus aux 3 secondes et voilà. Bon, je suis en train de me faire une tendinite, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas montré. Ah, j'ai pas réussi. Bon, je le montrerai tout à l'heure. On peut dépasser la ligne d'arrivée. Là, je peux plus bouger, mais si on fait un petit truc avant, on peut dépasser la ligne d'arrivée un peu plus loin. Voilà, pouf. Donc, ça dure 5 minutes, ça, entièrement. Hein. Voilà, donc ça fait déjà 1 minute 30 de passer normalement. Maintenant les courses de haies. Donc 3 courses de haies encore. Donc ça en casu c'est pas si facile à appréhender d'avoir le bon moment où on switch le bouton. Bon, ah, ça c'est... Oh! Je pense qu'il va falloir que je fasse un perfect parce que sinon... Hop là, voilà, on peut dépasser la ligne d'arrivée comme ça en sautant juste avant.
Bon, et on est capable normalement de gagner en se prenant toutes les. Alors attention, suspense. Est-ce qu'on va y arriver? Je peux regarder le public comme ça. C'est cool, hein? C'est génial ce qu'on fait, hein? Bonjour aux gens qui arrivent. Salut, salut. Je suis devant là? Ouais. Oh là, c'est chaud. Alors vous aurez remarqué que eux, quand ils sautent, par contre, ils touchent les haies avec leurs pieds, mais on n'a rien à faire. Rien à faire. Et vous verrez un autre truc tout à l'heure sur le lancer de javelot. Eh, les Romains, il va vite, hein. Tain. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est le dernier qui compte, mais. Oh, si! Eh! Bon, allez, il faut que je fasse un perfect pour me racheter quand même. Bah oui, non, mais. Ah, bah non. Ah, bah voilà. Ça, c'est un beau raté. Alors évidemment, vous avez vu comme dans tous les jeux vidéo, quand on termine premier contre une IA, ben, enfin quand on termine égalité, on est premier. Voilà. Et ça sera pareil là, ici. Parce que c'est bien pratique. Ouais, mais ça nous permet d'avancer en speedrun à coup sûr, donc c'est bon. C'est cool. Parce que du coup, là, en fait, on va gagner 3 points à chaque fois, donc gagner 6 points. On va perdre le javelot, exprès. Parce que les bots d'une sont trop forts, même en easy, j'ai jamais réussi à faire leur distance. Et de deux, bah, plus notre javelot tombe vite, bah, moins on perd de temps. Voilà. Alors vous remarquez que leurs javelots sont encore dans leurs mains, alors qu'ils les ont lancés. Voilà. Alors je peux essayer de faire le plus bas possible. On peut essayer. On va essayer de faire 0-0-1, on peut pas faire plus bas. Oh! Oh, je sais pas, honnêtement. Est-ce que ça fait 0-1 ça? Ouais, 0-1. Voilà. Et après, je peux essayer de faire le meilleur lancer possible, mais alors ça va être dégueulasse. Quoique. Oh, quoique. Pas mal. Moi, je l'avais jamais fait. Bon, ça c'est un never happen before par contre, pour de vrai. C'est jamais tenté before quoi. Bon. Mais comme quoi, c'est possible. Ça c'est l'énergie publique ça. Bon, alors la run sérieusement maintenant. Parce que là c'est l'Egypte et il faut rester concentré. Parce que en Egypte il y a des abeilles partout. Il y a des soldats romains, mais on a mis des trucs dorés pour faire genre c'est l'Egypte. C'est raté d'abord. Tant pis. Alors là, la RNG des petits cailloux. Très énervante. C'est le réveil ça, faut se réveiller un petit peu. Olé. Bon, je récupère pas la vie qui est en haut, c'est beau jeu. Bon, normalement je devrais pas en avoir besoin. Normalement je ne devrais jamais mourir. Faut pas que je dise ça parce que bon. Donc là, un petit trick que j'ai découvert, personnellement, j'en suis bien fier, c'est que normalement, pour monter dans ces bateaux ici, là, ça par contre, dommage, on est censé prendre les pierres qu'on nous lance pour pouvoir sauter dessus et sauter dans le bateau. Sauf que il y a 3 frames, je crois, où on peut sauter directement. C'est assez précis, mais ça se fait, bon, ça se trouve. Et où on peut juste... Bon, le temps de réaction du joueur... Voilà. C'est la cata. Donc là c'est... Ok. Bon. Je crois qu'il va y avoir un suicide stratégique. Hein. Alors chose aussi, dans ce Astérix on peut se faire toucher alors qu'on n'a plus le contrôle d'un personnage comme ça. Et voilà. Gratuitement.
Et on peut plus rien faire. Bon alors, on va faire un petit feat stratégique en vrai. Voilà. Hop là. Ça tombe bien, on a une crevasse. Ouais. Voilà, on sera full vie. Comme ça au moins, la run sera tranquille derrière. Théoriquement. Là voilà, pareil, mais non, mais... Comme je vous disais, c'est un peu la partie dure et effectivement si on rate 2-3 patterns, on est un peu décyclé par rapport à ce qu'on est censé faire. Et du coup des fois il y a des ennemis qui apparaissent et qui apparaissent pas. Bon. Mais ça va le faire. Ok. Alors du coup, là on va prendre un dommage boost exprès et on va finir le level avec très peu de PV. Ouais, c'est pas convaincant hein, mais bon, c'est passé. Et donc la fameuse scène du palais qui se fait attaquer, qui est dans le dessin animé, qui est dans le film. Est-ce que les RNG du boulet, merci, c'est gentil. Donc là, les boulets totalement RNG évidemment, hein. Sinon ça serait pas drôle. Là ici, voilà. Donc, on rage pas sur la RNG. Pas besoin. Et donc on va détruire tous les soldats qui balancent de la case. Alors le seul glitch du jeu c'est celui-là. On peut rebondir après avoir été lancé avec la catapulte en chargeant le point. Ça nous fait aller légèrement plus loin. On va le revoir deux autres fois dans le dernier niveau du jeu. Ça fait gagner 2 secondes à peu près à chaque fois. Hop là, et voilà. Ah, c'est de la triche. C'est le seul truc qu'on a trouvé, alors bon. On a cherché, il y en a un qu'on a trouvé aussi, mais les développeurs ont prévu, visiblement, le glitch. Et du coup, ils nous ont... C'est sûr... Pat ? Ok, bon, d'accord. C'est sûrement la version 1.0, mais je sais pas. Il y a un glitch qu'on peut faire avec des tonneaux, en gros si on se fait damage boost dans un tonneau, on inverse la position de notre tonneau avec nous, mais le problème c'est qu'on peut pas coller les tonneaux au mur, donc en fait ça sert à rien. On peut pas aller dans les murs, j'aurais bien aimé savoir ce que ça faisait. Mais on ne peut pas. Donc ici l'épreuve bateau pirate, là on part en Espagne, si vous l'avez vu sur la carte, en Hispania. Et normalement, il est censé monter tout en haut puis redescendre tout en bas. Nous, on va se lancer tout simplement, on va suicider et on va arriver directement tout en bas. Voilà. Ça fait gagner une bonne minute. C'est bien pratique. Et alors maintenant, le moment. Eh bien. Mais. Ouais. Ouais, je suis pas censé passer par là. Oh purée. Bon bref. J'ai plus beaucoup de vie du coup, tant pis. What? Alors ça par contre c'est vraiment un never happen. Je suis jamais descendu de cette plateforme. Je sais même pas comment j'ai pu faire ça. Bon ça par contre ça c'est dommage. Un petit damage boost ici, hop là. Bon déjà je suis pas tombé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce que je vais pas me faire toucher par le sanglier? Oh, c'est pas vrai. Voilà, bon c'est des hits qu'on prend en dehors de l'écran qui sont très relous, mais bon tant pis. Allez, le dernier niveau un peu dur. L'autre il est gratuit derrière. Hop là. Donc
pas pouvoir faire le pitch du coup. Tant pis, c'est pas grave. On reverra le glitch de la catapulte plus tard. Et on va terminer tranquillement le niveau. Hop là, un dernier coup de catapulte. Et on arrive dans la corrida. Et on va terminer cette run. Ah. Alors le time, c'est quand le taureau il tape la. Il tape la dernière rambarde, c'est-à-dire pas la prochaine, mais celle d'après. Pour ceux qui sont au time. Donc pas celle-là, mais l'autre après. Donc là je vais faire toute une ligne droite. Ouais, olé. Toute ligne droite et il y aura le time. Time. Voilà. Bon, à 31 ça va, c'est pas mal. Donc on a récupéré un casque d'or. Et on ramène tout ça à César pour lui montrer notre super puissance. Et voilà, c'est The End. Avec le petit générique. Le jeu est fait par des Français. Infogrames, tout ça. Voilà. That's all for that. Il y a un jeu Infogrames qui arrive après encore. C'est terrible ça. Ah mais d'accord, on enchaîne les BD. Ok. Oh là là. Ça va, enchaînement de BD. Bon voilà, 31 minutes ça va, c'est correct. Quand on a perdu 40 secondes surtout au rugby quoi, c'est un petit peu relou. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Merci, merci, mais que se passe-t-il maintenant? Ça a l'air vachement joli, Tintin. Honnêtement, vous allez voir ça. Hein. Je crois que ça va enchaîner les jeux beaux. Avec des bonnes musiques. Et donc la scène finale, hein, toujours le banquet, toujours. C'est à bras raccourcis. Non, c'est qui? Comment il s'appelle? Assurance Torix? Je sais plus. Qui est accroché. Et voilà. Terminé. Voilà. Sinon, si vous voulez runner ce jeu. Ah bah voilà. Terminé. Eh, salut! Hop là. Bah ouais, non, j'ai vu. Si, bah c'est arrêté. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Donc c'était incroyable, Astérix Obélix, dis donc. Je savais pas qu'il y avait des guêpes en Égypte, tout ça, c'est intéressant. Je me présente, je suis maman, je vais être votre serviteur, plus ou moins, jusqu'à midi, par là, on verra. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais dire des trucs pendant que vous regarderez. Et voilà, ça fera passer le temps. Merci, merci. Donc déjà, première question, est-ce que vous êtes chaud? Parce que... Excusez-moi, vous pouvez parler moins fort, j'ai un stream là. Merci. Ils sont vraiment relous. C'est chiant. Donc voilà pourquoi on est là. Vous êtes sur le French Restream ou à Bourg-la-Reine pour Bourg-la-Reine, un marathon caritatif pour la FM Téléthon. La FM Téléthon. Donc c'est une association pardon, qui récolte des dons pour lutter contre des maladies dégénératives graves et qui, en général, pas beaucoup de moyens. Donc voilà, on récolte des dons pour sauver des gens, pour faire des gens heureux, des gens malades qui ont peut-être des vies pas très rigolotes et qui elles sont un peu plus rigolotes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons, vous avez tous les liens qui vont arriver sur Twitch, sur le chat si jamais vous êtes sur le chat, et si vous êtes là, bah, vous avez internet, voilà. En parlant de ça, donc il y a des dons, il y a des gens très, très sympathiques qui nous ont fait des dons, on a un petit message.